Salut à tous, aujourd'hui on va tester les ascensionnels de Microsoft Flight Simulator. Pour ça, j'ai chargé le planeur Discus qui est fourni avec des presets météo. Donc on va en charger un là, celui-ci, le Soaring Cross Country. On va baisser toutes les vitesses de vent pour être sûr de ne pas avoir du tout de vent et d'être qu'avec l'ascension des nuages. On va se mettre un petit mois d'août pour être sûr d'avoir la chaleur qu'il faut et un horaire qui correspond aussi à une chaleur qui serait assez conséquente. Voilà, alors il faut savoir que le Discus, au moment où je vous parle, vient juste de sortir. J'ai pas la prétention de m'y connaître énormément en planeur ni en aérologie, mais on va essayer de faire ce petit test pour voir si ça fonctionne comme il faut. Donc là, on a réglé une hauteur de 1500 mètres pour le tirage treuil, parce qu'on peut supposer que c'est comme un tirage treuil. Donc on va l'activer gentiment. On va monter à 1500 mètres avec le treuil. Et après, on va servir que des ascensionnels. Allez hop, c'est parti. On va essayer de faire ça correctement. Donc là, il faut essayer de suivre la ligne qui monte et en même temps essayer de rester dans l'axe avec la petite cible qui est juste en dessous la ligne là. Et arriver à la hauteur de 1500 mètres, normalement on va être largué. Si on dévie de la cible ou de la hauteur, on sera largué avant. C'est un petit travail de précision. Voilà, on vient d'être largué, on va reprendre un peu de vitesse en piquant. Et on va aller essayer de chercher les nuages là qui nous font de l'œil. C'est des gros cumulonimbus, normalement l'aspiration devrait être assez conséquente. Là, on est à une hauteur de 1200 mètres à peu près. On va essayer de s'orienter là-dessous. Pour l'instant, calme plat. Il faut savoir que ces gros cumulus, ils aspirent fort, quoi. Mais faut pas rentrer à l'intérieur parce que là c'est chaotique à l'intérieur. Donc faut essayer de flirter avec la lisière de la base du nuage et de son extrémité gauche, là, en l'occurrence. Donc là ça devrait pas tarder à aspirer. Ça y est, c'est parti. On vient de prendre 100 mètres. Commencer à faire un peu de circulaire pour rester dans l'aspiration. 1500, bon, ça se coud un peu, hein. Ça grimpe vite, hein. 1700. On va bientôt arriver à 2000. Il va falloir commencer à ralentir l'ascension, sinon on va rentrer dans le nuage.
On va arriver à 2100 là. On va rester en lisière, continuer à monter. Là, à gauche, vaut mieux pas y aller. Et dès qu'on va sortir, ça va se terminer. L'ascension va s'arrêter. Voilà, on appuie sous la base du nuage, tout de suite ça s'arrête. C'est la preuve réelle que ça aspire fort quand même, hein, ces cumulonimbus générés par le jeu. Essayer d'y retourner pour voir. Là, on n'est pas tout à fait dessous. Pas rentrer dedans quand même, et ça y est, c'est reparti. On peut voir que ça aspire fort, là on est quasiment à 2007. On va arriver à 2009, alors qu'on est parti de 1500, je le rappelle. Allez, on va sortir. Alors je rappelle que ces gros cumulonimbus sont fournis en preset météo avec le Discus. Quand vous l'installez, vous avez plusieurs presets météo qui vous permettent de faire de vols de pente, de faire de l'ascensionnel grâce aux nuages, enfin voilà, c'est complet. Allez, merci pour votre écoute.